13 ans, j'ai lu un roman d'Alexandre Dumas qui s'appelle Ascanio. Oui. Ascanio était l'assistant de Benvenuto Cellini. Je faisais des tableaux surtout de marine. Mon père aimait beaucoup les marines avec des voiliers, des trucs comme ça. Et je les copiais, mon Dieu, assez bien. On les vernissait bien et on les vendait à la boutique. Ah, très bien. Et puis après... Tu as commencé à quel âge là? Tu étais tout jeune. Hein? 15-16 ans à faire des tableaux comme ça. Puis après, je me suis intéressé à la peinture. Ça a été Van Gogh, un des grands déclics pour moi. Quand j'ai pris connaissance, plus tard j'étais étudiant à Paris, j'ai pris connaissance de Picasso, Braque, Matisse. Ça, Picasso surtout a une très grande influence sur moi. Et plus tard, j'ai pris connaissance aussi de Dada, Marcel Duchamp, Man Ray, Max Ernst, tout ça. Et ça aussi, ça a eu une très grande influence, surtout Marcel Duchamp, dont je suis devenu ami en allant à New York. Et parce que sa principale occupation, c'était de jouer aux échecs. Et moi, j'étais le meilleur joueur d'échecs qu'il pouvait trouver parmi les artistes. Tu es né à Nice? Je suis né à Nice. De maman française ou espagnole? Mère française. Et tu es issu du fameux mouvement de l'école de Nice, avec César, avec... Oui, c'est pas l'école de Nice. Mais c'est... C'est pas du tout, ça n'a rien à voir. Au départ, c'était... Un mouvement? Le nouveau réalisme. Très bien. Où il y avait César... Où il y avait Yves Klein, qui était Klein, Nice, avec ses fameux monochromes. Marcel Reiss, tout ça, il y avait déjà quatre personnes qui venaient du Sud. Très bien. Et plus tard, quand l'école de Nice s'est faite, on y a adhéré pour faire plaisir aux jeunes artistes. Au nouveau. Beaucoup plus que pour nous-mêmes, parce que nous, on faisait déjà partie d'un mouvement international qui s'appelait le Nouveau Réalisme, sous la houlette de Pierre Restany. Oui. La voiture est en bronze et toutes les autres sculptures, parce que le bronze tient très bien à l'extérieur. Vieillit bien. Mais j'ai beaucoup aimé sculpter avec les objets mêmes. Par exemple, souder ensemble des cafetières ou souder ensemble des machines à coudre, mais avec les objets mêmes, c'est-à-dire faire des accumulations. L'objet fini. Fini. Pas travaillé. Ou alors des moitiés d'objets, des choses comme ça. Mais au point de vue simplement à la fois pratique et représentatif, le bronze est le meilleur matériau. Parce qu'il vieillit bien, même sous la pluie, alors que l'acier vieillit très mal. Il faut le nettoyer tout le temps. Et on me dit, ah, mais tu es française? Oui, oui, française de Monaco. Il y a un espèce de sculpteur fou là, qui vient d'arriver, qui a racheté toutes les sculptures de Lénine. C'était toi ou César? Je ne me souviens plus. Au départ, c'est ni moi ni César. C'était Bernard-Henri Lévy et comment il s'appelle, Pierre Naon. Oui, qui avait, la galerie Pierre Naon. Qui avait récupéré tout ça. Au départ, ils le voulaient pour moi, mais j'étais occupé avec un autre projet. Ils les ont passés à César. Et César te les a refilés? Et César ne me les a pas refilés. César, jusqu'à la fin... a dit qu'il le ferait. Oui. Et il y a eu un article par Bernard-Henri Lévy qui a paru dans Connaissance des Arts avec
deux, trois photos des premiers essais. À peine l'article apparu, il a fait paraître un communiqué comme quoi il ne ferait pas de sculpture avec Lénine, qu'il ne voulait pas tuer Lénine une seconde fois parce que ça avait été l'espoir de la moitié de l'humanité. Mm-hmm. Alors moi, je me suis arrangé avec Naon et j'ai récupéré Lénine et moi, j'en ai fait une exposition. Ça a d'ailleurs été exposé à Monaco à l'époque. Et le prince n'a pas voulu être photographié devant. Je comprends. Comme quoi, ça a toujours du... Un impact. Un impact. Absolument. Alors, ça fait toute une histoire, parce que César n'était pas content que je le fasse moi, mais qu'il avait laissé tomber. Et surtout, je me suis payé mes fontes moi-même. On a pris ces sculptures et on a fait des fontes en bronze. Mmh. Et après, j'ai fait les pièces. On a dit à un moment donné, Armand fait de l'art décoratif. Si on peut l'employer comme décoratif, ça va, mais ça ne me gêne pas. Mais avant toute chose, ce qui m'intéresse, c'est l'art, A-R-T. Je suis sur la côte à peu près 3 mois par an. 3 mois. Voilà. Sur New York, tu travailles aussi un peu. Tu as des ateliers. J'ai des ateliers plus grands qu'ici. Oui, sur plusieurs niveaux, on m'a dit. Dans un immeuble ancien. Tu es dans quel quartier exactement, Soho? Tribeca. Tribeca, à côté du restaurant de Niro? Pas très loin. Au Tribeca Grill? Oui, pas très loin. Pas très loin. Mais là, j'ai plusieurs ateliers. J'ai un immeuble avec atelier et des ateliers très, très grands dans un autre immeuble à côté, plus un atelier à ciel ouvert avec une grue pour monter les choses extérieures. Oui. Non, je suis très bien équipé. Et tu as beaucoup de collectionneurs américains, Armand. Oui, oui. Ça a toujours été ma politique. Tant que quelque chose de nouveau, tant que ça n'a montré. Pas été exposé, je ne le vends pas. Je préfère avoir une collection de 20 objets, tous de parfaits, qualité, que d'en avoir 1000 moyens. Je crois que tu en as 1000, mais de bonne qualité. J'en ai pas 1000. Ah bon? Peut-être j'en ai 200-300. Mais c'est de l'art primitif, d'une certaine région d'Afrique, ou c'est toute l'Afrique qui t'intéresse? Non, je m'intéresse à l'Afrique, je m'intéresse à certaines parties d'Océanie. Oui. Et aussi j'ai une très belle collection d'armes et d'armures japonaises. Ah. Que j'avais d'ailleurs exposée au Grand Palais il y a quelques années. Si je survis à mon dernier cancer, si je survis à toutes mes attaques cardiaques, si je survis à ci, si je survis à là, l'avenir c'est simplement un jour après l'autre. Voilà. La seule chose qui me tient vivant, et c'est très important, c'est de travailler, mon travail. Ta création surtout. Ta création. Mon travail.